défense avec Issama Mpeko. Le centre d'Mpeko, Issama. Ikangalomo Capella qui cherche la bonne position. Quelle réponse Dembela, Ligue Fouata, le gardien de l'État du Kivu. Olivier Osomba qui n'est pas si pressé, la mauvaise passe d'Osomba. Olivier Ousseni Kiza, la frappe d'Ousseni. On va suivre les coups francs. Nadila qui envoie donc cette visée. Bien chippé par Bernamozizi. Bernamozizi qui va traîner un tout petit peu. Il joue avec Pandueli. Pandu, la frappe de Pandu. Il a trop raisonné avant de quitter ce ballon. Goma Junior et Bunga. Tranquillement pour les gardiens. Bela Ligofata. Qui a ramassé 6 buts en 2 matchs. En 2 récentes explications de Tony Kivu, le centre. Encore les gardiens. Bela Ligofata. Malakou Pandi. Malakou Pandi. Avec Nadila, la talonnade de Nadila pour Fengi. Fengi Ndosimao. Fengi. Et c'est renvoyé. Encore Pandu. Face à Ousseni Kiza. Le centre est Pandu. Oh là là, Piana Mouditi. Il y a faute sur Piana Mouditi. Estime l'arbitre du match. Et penalty pour Vita Club. On y voit. Piana Mouditi qui surgit et surprend les gardiens Mbela. Très malin, Piana Mouditi. Et la concentration du gardien Bela Ligofata. Pandu qui travaille. Pandu face à Bela Ligofata. Contre-pied parfait. Pandu Eli pour ouvrir la marque. Sur ses pénalties bien exécutés. Et trompe le gardien Bela Ligofata. Un pour Vita Club. 0 pour l'étoile du Kivu. Il n'a pas tremblé. Il a choisi donc les bons coups. Et Bunga, Norberto Kiatelua. Panzueli, le centre de Panzu. Oh là là, la balle qui passe. Ikangalombo Capella qui choisit les bons moments pour marquer ses deuxième but de Vita Club. Juste avant de retourner au vestiaire. 2 pour Vita Club, 0 pour Étoile du Kivu. Le centre de Panzu. Ikangalombo en première intention pour glisser la balle dans la cage de Bela Ligofata, le malheureux gardien de Tony Kivu, le pauvre qui fait quand même des très belles parades et encaisse 2 buts comme ça. Et quelle finition parfaite de Jonathan Ikangalombo. Et c'est la pause ici au stade Tata Raphaël, 2 pour Vita Club, 0 pour l'étoile Nadila. Belle récupération de Nadila. Attention, la bonne position pour cette fusée, encore ces missiles qui passe hors du cadre. La montée dangereuse de l'étoile de Kivu. Nadila. Nadila qui frappe. Touche Imanalote pour effectuer son entrée. Imanalote qui prend la place de Norberto Kiatelua avec Panzueli. Le centre de Panzu, la tête de Ikangalombo. Imanalote pour le troisième but de Vita Club. Belle déviation de Jonathan Ikangalombo. Et la balle qui s'est retrouvée chez Imanalote, le nouvel entrant de Vita Club, pour le troisième but. La déviation très à l'aise, Imanalote qui va réceptionner, il contrôle et ensuite il frappe.
quelle communication sur ces corners quittés par Pandueli. Ikanga Lombo qui vient dévier la balle. Ah, Kakea, il va percer devant Ibunga Simbi. Kakea la passe. La balle qui traverse. Balato Patikines. C'était très bien communiqué. Jean Kaoula. Et c'est terminé. Vita Club s'impose de la plus belle manière.